Mes chers amis, tous autant que nous sommes dans cette église, c'est-à-dire trois, incluant l'organiste, moi-même et la madame de 90 ans assis dans la 8e rangée, qu'on imagine très bien se faire cuire un Stouffer Light en écoutant Radio Ville-Marie, puis aller se coucher sans fermer le rond, dire bonsoir à ses pantoufles, avons tous entendu l'Évangile. Malheureusement, tant de gens pensent encore que Évangile signifie « y trouve preneur pour son bobblehead de Gilles Proulx d'une vente de garage » dans cette société d'aujourd'hui où malheureusement les gens vivent au-dessus de leurs moyens, ce qui n'est pas très pratique. Quand on vit au-dessus de ses moyens, on est obligé de pas marcher trop fort sur le plancher pour pas déranger ses moyens qui habitent en dessous. Bon, OK, je m'écarte, je vais revenir à l'Évangile. Alors on se demande, où est Jésus? Mais où est Dieu? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas depuis 2013 ans? Eh bien, pourquoi se manifeste-t-il? Pourquoi, après avoir fait un chemin de croix, arriverait-il à Montréal? Pour faire un chemin de cône? Ben voyons! Dans cette société gavée de cybernétique où on a le cyberjournal, le cybermagasinage, le cybernantre et panier de la vérité, ben Denise Bombardier, waitress à Cage au sport, non! Laissons-le où il est! Nous avons un pape qui fait preuve d'ouverture exemplaire et à l'opposé quelques prêtres qui font preuve de fermeture éclair. Mais il n'est pas une vertu de généraliser. C'est pas tous les prêtres qui se brassent les burettes en regardant un catalogue de souris minimes. En tout cas, pas moi. Que j'aimerais dire, en fait, dans cette homélie, et malheureusement, trop de gens pensent encore que homélie signifie aller chez Home Depot en hélicoptère, c'est que pour de plus en plus de gens, la vie est incomplète. Il manque quelque chose. Même certains noms sont incomplets, comme Denis Coderre. Denis Coderre de quoi? Coderre d'un gars qui veut pas démissionner de son poste de député pour se présenter à mairie? Denis Coderre d'un vendeur de chaussures chez Pitt? Denis Coderre de quoi? Est-ce qu'on va le savoir un moment donné? Nous ne sommes pas complets en tant que personne, il nous faut quelqu'un. Tenez-moi, je suis prêtre. Et bien sûr, un prêtre, ça peut pas être comme les autres. Un prêtre, ça peut pas avoir une maison. Mais non, si un prêtre pouvait être propriétaire, on appellerait ça un prêtre hypothécaire. Un prêtre va pratiquer la chasteté, alors que la plupart des gens vont pratiquer la chaste automne. Mais nous, les prêtres, sommes toujours accompagnés de quelqu'un. Et si parfois il y a des espoirs, ou d'autres fruits, des espèches ou bien des espommes, ce quelqu'un est là. Pourquoi notre organiste qui joue pour cette église depuis plus de 30 ans a-t-il fait le sacrifice de ne pas partir avec Serge Turbide en tournée en Abitibi? Non, ce n'est pas parce que toutes les dates de spectacle ont été annulées faute de vente de billets et qu'il est venu m'annoncer ça au presbytère à 3h du matin en s'entendant d'une playole. C'est parce qu'il se sent ici, dans sa maison.